Le fonctionnaire de la police nationale est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre et impartial. Il ne se départira de sa dignité en aucune circonstance. Il a le respect absolu des personnes, quelle que soit leur nationalité ou leur origine, leurs conditions sociales ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques. Article 7 du Code de déontologie de la police nationale, 1986. L'arrestation d'un mendiant est souvent l'objet d'une forte résistance du peuple de Paris. Les archers de l'hôpital témoignent. Information faite par nous, Gilles-Pierre Chenu, avocat en Parlement, conseiller commissaire au Châtelet de Paris, à la requête de Monsieur le procureur du roi au sujet de la rébellion faite aux archers de l'hôpital. Après serment par lui fait de dire vérité, Sieur Claude Roux, brigadier des archers de l'hôpital, dépose que le 15 janvier, présent moi, passant rue Mazarine avec sa brigade et conduisant un mendiant, ils auraient été assaillis par une quantité d'écoliers qui les auraient poursuivis à coups de pierre et de morceaux de bois. Dépose aussi qu'un particulier vêtu d'une redingote, l'or à lui inconnu, et qu'il a su depuis être le nommé Caillot précepteur dans une pension rue Mazarine, s'étant emparé d'un des 10 archers, aurait été arrêté et par eux conduit en autre hôtel où ils se sont réfugiés. Le nommé Granger, aussi brigadier des 10 archers, a ce jour été blessé à la tête d'un morceau de bois qui lui a été jeté par un particulier que l'on croit être domestique. Il a entendu dire « À moi, j'en tiens !» ou « Je le tiens !» Il ne sait si c'est le dit particulier précepteur ou un autre qui a tenu le dit propos. Mais il a depuis entendu dire par le nommé Rigolet, l'un des 10 archers, qu'une fruitière de la dite rue Mazarine aurait dit tout haut devant la populace « Il n'y a qu'à tomber sur ces gueux-là » Sieur Louis Dé, maître perruquier à Paris, demeurant rue Guénégaud, dépose lui que le 15 du présent mois, dans la matinée, étant rue Mazarine, il aurait vu plusieurs archers de l'hôpital, ayant l'épée à la main, sur lesquels les écoliers jetaient des pierres et autres choses qu'ils trouvaient sous leurs mains. Qu'il aurait vu aussi l'un des archers courant sur l'un des 10 écoliers qui venait de lui jeter quelque chose. Et ensuite, le dit archer frappé sur la tête d'un autre écolier qui n'avait rien jeté, lui, et était au contraire dans une allée. Que dans le moment, il aurait vu un particulier vêtu d'une redingote grise qu'il a su plus tard être le précepteur nommé Caillot. Saisir le dit archer par les épaules pour l'empêcher de frapper de nouveau le dit écolier, qu'il a ensuite vu l'archer porter au dit précepteur un coup d'épée dans sa redingote et le précepteur être ensuite assailli par 3 ou 4 autres archers. Pierre-Antoine Rigolet dépose lui que le jeudi 15 du présent mois sur les 10 à 11 heures du matin, passant rue Mazarine, pour conduire un mendiant qu'il venait d'arrêter avec sa brigade, des écoliers qui les suivaient ont voulu leur ôter le mendiant des mains. Il aurait alors entendu une fruitière au-devant de la boutique de laquelle il était dire par 3 fois « Tuez-moi ces bougres-là ! Tuez-moi ces bougres-là ! Tuez-moi ces bougres-là » en montrant le déposant qui tenait le dit mendiant et sa brigade. Qu'alors, les 10 écoliers et plusieurs autres particuliers s'étant joints à eux, se seraient jetés sur le déposant et sa dite brigade. Leur auraient jeté force pierres et morceaux de bois et les auraient ainsi poursuivis jusqu'en notre hôtel, que le nommé Granger, brigadier, aurait été grièvement blessé à la tête des dites pierres et morceaux de bois à la porte de notre hôtel. Le déposant Pierre-Antoine Rigolet a depuis appris que la dite fruitière se nommait Balthazar. François Granger, brigadier des archers de l'hôpital, dépose lui que le jeudi 15 janvier sur les 10 à 11 heures du matin passant rue Mazarine, conduisant un mendiant, il aurait été assailli par quantité d'écoliers et autres personnes qui auraient accablé le dit déposant et les autres archers de pierres et autres choses, que lui déposant a entendu crier « À moi, j'en tiens !» que la populace augmentant et le déposant et ses archers étant en danger auraient pris le parti de se réfugier en notre hôtel, que le déposant, avant d'y être parvenu, aurait été blessé à la tête en 3 endroits. Enfin, que rendu en notre hôtel, nous aurions mandé la garde,
ce qui aurait dissipé la populace. Alors Charles Oudry, maître menuisier demeurant lui aussi rue Mazarine, dépose que le jeudi 15 janvier dernier, ayant entendu dans la dite rue Mazarine beaucoup de bruit venant du côté du collège des Quatre Nations, il serait venu sur le pas de sa boutique et aurait vu dans la dite rue plusieurs archers de l'hôpital ayant tous l'épée à la main, suivi de quantité d'écoliers et de populace, qu'il aurait vu les 10 archers aller plusieurs fois sur les 10 écoliers et populace qui criaient sur eux « À la soupe !» et leur aurait jeté quelques pierres. Qu'un jeune écolier, qui n'était point du nombre de ceux suivant les archers, serait entré lui, paraissant avoir peur, dans l'allée du déposant où un des 10 archers serait venu lui porter un coup de son épée nue sur la tête. Qu'aussitôt, un particulier que le déposant connaît de vue pour être précepteur d'une pension Sécaillot, même rue, aurait paru et prenant le parti du dit écolier, aurait sauté sur le dit archer qui avait frappé pour l'empêcher vraisemblablement de frapper de nouveau. Pierre Champion, maître bourlier à Paris, demeurant rue Mazarine, dépose lui que le 15 janvier dernier sur les 11 heures du matin, il aurait vu qu'un précepteur étant venu au secours du dit écolier maltraité, aurait sauté sur le dit archer. Qu'alors le dit précepteur aurait été assailli par plusieurs des 10 archers et exposé à recevoir des coups d'épée qui ont été portés dans sa redingote. Puis, les 10 archers tombaient sur lui, l'un le prendre au milieu du corps, l'autre par le collet, jusqu'à le faire devenir violet tant il était serré, et les autres par le bras lui mettre les menottes, lui donner des coups, l'emmener comme un criminel avec une brutalité singulière. Qui est tout ce qu'ils ont dit savoir, lecture à eux faite de leur déposition, on dit qu'elle contient vérité, ils ont persisté, on recuit salaire, à eux taxé 40 sols et on signait nos minutes. D'abord, la nécessité d'un châtiment sans supplice se formule comme un cri du cœur, un cri de la nature indignée. Dans le pire des assassins, une chose au moins, est à respecter quand on punit, c'est son humanité. Un jour viendra, au XIXe siècle, où le criminel deviendra la cible de l'intervention pénale, l'objet qu'elle prétendra désormais corriger et transformer. Mais elle devra laisser intact, pour être à même de le respecter, cette humanité qu'on aura concédée au criminel. Noli me tangere, ne me touche pas. Cette humanité, ou cet homme, que les réformateurs ont fait valoir contre le despotisme, est alors un homme mesure. Mesure non pas des choses, mais du pouvoir lui-même. Mesure et humanité sont donc ces éléments si nécessaires et pourtant si incertains, qu'on retrouve aujourd'hui où se pose encore et toujours le problème d'une économie des châtiments. Au fond, tout se passe comme si le XVIIIe siècle avait ouvert la crise de cette économie. Comme si ce XVIIIe siècle avait proposé pour la résoudre la loi fondamentale que le châtiment doit avoir l'humanité pour mesure. Sans qu'un sens définitif ait jamais pu être donné à ce principe. Principe considéré pourtant comme incontournable. À quel point tout ce dont on parle est irréductible à toute communication. Bon, alors, c'est pas grave. Hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, il me semble, qu'en un premier sens, la communication, c'est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information, c'est un ensemble de mots d'ordre. Tout le monde le sait, c'est évident. Quand on vous informe, on vous dit
ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer, c'est faire circuler un mot d'ordre. Les déclarations de police sont dites à juste titre des communiqués. On nous communique de l'information. C'est-à-dire qu'on nous dit ce que nous sommes en état ou en devoir de croire. Ce que nous sommes tenus de croire. Ou même pas de croire. Mais de faire comme si l'on croyait. Puisqu'on ne nous demande pas de croire, on nous demande de nous comporter comme si nous le croyions. Alors, indépendamment de ces mots d'ordre et de leur transmission, il n'y a pas de communication ni d'information. Ce qui revient à dire que l'information, c'est exactement le système du contrôle. C'est évident, nous sommes entrés dans une société de contrôle. J'avais analysé deux types de sociétés, des sociétés de souveraineté et des sociétés disciplinaires. Ces dernières se définissaient par la constitution de milieux d'enfermement, la prison, l'école, l'atelier, l'hôpital. Elles en avaient besoin, mais ce n'est pas du tout là ma dernière pensée. Non, j'ai jamais jugé éternelles ces sociétés disciplinaires. Bien sûr, il y en a aujourd'hui encore toutes sortes de restes, et pour des années et des années. Mais nous savons déjà que nous sommes entrés dans des sociétés d'un autre type encore, qu'il faudrait appeler, comme le propose William Burroughs, un auteur que j'affectionne particulièrement. Ce qu'il propose, il l'appelle comme ça, ce sont des sociétés de contrôle. Nous n'avons plus besoin, ou plutôt ceux qui veillent à notre bien, n'ont plus besoin ou n'auront plus besoin de milieux d'enfermement. Elle n'est pas tant, donc ce serait maintenant des formes de contrôle. Un contrôle, ce n'est pas une discipline. Je dirais par exemple d'une autoroute, que là, vous enfermez pas les gens. Mais en faisant des autoroutes, vous multipliez les moyens de contrôler. Et je ne dis pas que ce soit le but unique d'une autoroute, non. Mais des gens peuvent tourner à l'infini, si ça les amuse, sans être du tout enfermés, tout en étant parfaitement contrôlés. De l'article 24 de la loi Sécurité globale à l'article 25 de la loi Séparatisme, c'est la même logique prédictive qui est à l'œuvre, la même. Réprimer une divulgation d'informations en espérant empêcher un délit plus grave. C'est donc un article qui punirait le fait de diffuser l'image du visage d'un policier, d'un gendarme ou d'un policier municipal, le visage ou tout autre élément d'identification, à l'exception bien sûr de son numéro matricule RIO. Tout cela dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Un article qui réprime donc la divulgation d'informations en elle-même en anticipant
ses conséquences potentielles. Le comportement prohibé est donc réprimé indépendamment de l'existence d'un résultat. Il s'agit bien de créer un délit pour en empêcher un autre. À l'heure actuelle, le droit punit bien la complicité. Le droit punit aussi la tentative. Le droit punit la provocation à commettre des délits. Le droit punit même, dans certains cas, la préparation d'un acte répréhensible en examinant à la fois des éléments matériels et intentionnels. Mais alors, prévenir plutôt que guérir, pourquoi pas, évidemment. Mais depuis quelques années, les juristes interrogés s'inquiètent de la tendance qu'il y a à décaler de plus en plus en amont l'application de la loi pénale. Et aussi à exiger toujours moins pour punir. De l'acte réalisé, on était déjà passé à l'élaboration d'un projet et maintenant on en est à la simple intention de le commettre. De le voir commis par d'autres. Exactement. Alors l'année 2010, elle a ainsi vu naître cette chose qu'on a appelée groupement en vue de commettre des violences volontaires ou des dégradations. Alors c'était conçu à l'origine comme un outil de lutte contre les bandes violentes. Ce qui a allègrement été utilisé lors du mouvement des Gilets jaunes. Allègrement. Et en s'appuyant sur des éléments matériels, qui étaient certes prévus par la loi, mais qui étaient parfois bien maigres. Mais ça reste moins pire que les nouveaux délits aujourd'hui pointés du doigt. Heureusement, ces nouveaux délits apparaissent et restent difficilement applicables. Devant un tribunal, je veux dire. Oui. Toutefois, ce n'est pas tant par la peine encourue qu'ils menacent les libertés, mais en ce qu'ils permettent la garde à vue. Oui, garde à vue qui du coup fait office de mini-peine. Oui, une forme de sanction par défaut. Puisqu'une condamnation serait quand même assez difficile à obtenir. Alors, bon, on ne va pas parler de délit d'opinion, hein, mais il me semble, moi, que l'expression délit d'intention n'est pas exagérée. Pas du tout. Il s'agit de poursuivre quelqu'un pour son intention de voir une infraction commise par quelqu'un d'autre. Un délit de souhait, en quelque sorte. Un délit de souhait, tout à fait. Sans compter que les intentions, elles sont difficiles à démontrer et elles peuvent être changeantes. Alors, le fait de dire... Voilà le policier qui a tabassé le producteur de musique. Il mérite d'être puni. Est-ce que ça suffit? Comment apprécier que dire ça, c'était dans le but manifeste que ce policier subisse des violences? Alors oui, si la publication était accompagnée d'un commentaire explicite du type « Allez le tuer », oui, elle tomberait déjà sous le coup des lois existantes, mais sinon... L'arsenal législatif, il est déjà très complet. Il est même plus que complet, archi-complet. On finit par empiler des textes inutilisables sans réfléchir à la cohérence de l'ensemble. Et politiquement, évidemment, il est très dur de mettre un coup d'arrêt à cette logique de mensonge sécuritaire. La logique préventive gagne du terrain. Parce que c'est le seul levier dont le législateur dispose pour pouvoir répondre. On va... éviter que des faits tragiques ne se produisent. Et évidemment que l'intention est louable. Évidemment, personne n'est contre la protection de l'intégrité physique ou psychique des individus. Non. On comprend ce à quoi le législateur réagit. À des actes de violence contre des policiers, à des assassinats. Oui, mais nous sentons là qu'il pourrait bien s'agir d'une mauvaise manière. Pour l'instant... Il n'y a pas encore de prédiction proprement dite. Pas encore. Ni de machination. Mais plutôt une innovation technologique. Mise en place grâce à un groupe d'informaticiens, de programmeurs, de scientifiques et chercheurs en tout genre. Ils ont ainsi imaginé un programme permettant de prédire le crime et pas n'importe comment. Le site du New York Times explique ainsi ce cas pratique à Santa Cruz, en Californie. Deux femmes... arrêtées en pleine ville alors qu'aucune infraction n'a été enregistrée à leur encontre. Aucune. Elles sont arrêtées par prévention, au vu de leur casier judiciaire, qui est déjà bien chargé, conjugué à leur proximité d'un quartier jugé sensible, en proie à de fréquents vols. Il n'en fallait pas plus pour que cette police intervienne et les interpelle. Santa Cruz s'est ainsi dotée d'un système de prévention des délits et le teste actuellement, grandeur nature. Mais au-delà du côté scientifique de la chose... Une telle pratique est-elle vraiment sans risque? Quid de la preuve d'innocence ou de la volonté réelle de réinsertion sociale? Le
Le passé d'un délinquant devra-t-il le hanter à jamais et ainsi le marquer au fer rouge pendant le restant de ses jours? Est-ce que ça n'est pas non plus un appel à la récidive? Autant d'écueils et de questions qui, pour le moment, restent sans réponse. Seule la police, pour le moment, semble contente du résultat. Naturellement, le postulat fondamental de pré-crime ne vous est pas inconnu. Avec l'aide de vos mutants pré-cog, vous avez audacieusement et efficacement aboli le système punitif post-crime, qui était fondé sur l'emprisonnement et l'amende. Comme nous le savons tous, la perspective du châtiment n'a jamais été très dissuasive, et pour les victimes, ma foi, une fois mortes, elles n'en retiraient guère de réconfort. L'inconvénient du point de vue juridique et inhérent à la méthodologie de pré-crime, ne vous a probablement pas échappé non plus. Nous arrêtons des individus qui n'ont nullement enfreint la loi. Mais qui vont le faire? Justement non. Par bonheur. Puisque nous les arrêtons avant qu'ils puissent commettre un quelconque acte de violence. Donc, l'acte criminel, proprement dit, ne relève strictement que de la métaphysique. C'est nous qui proclamons ces gens coupables. Eux se prétendent éternellement innocents. Et en un sens, ils le sont. Notre société ne connaît plus de crimes graves. Mais nous avons tout de même un camp de détention peuplé de criminels potentiels. Ils franchirent une série de portes et se retrouvèrent dans le bâtiment d'analyse. Devant eux se dressait un immense empilement de machines. Derrière ces machines, trois mutants qui disparaissaient presque derrière un fouillis de câbles. Trois idiots dont les moindres émissions vocales, aussi aléatoires et incohérentes soient-elles, étaient analysées, comparées, réorganisées sous forme de symboles visuels qui étaient ensuite transcrits sur des cartes perforées. Et toute la journée, les idiots jacassaient, emprisonnés dans des fauteuils à haut dossier. Alors, comment les trouvez-vous? C'est pas très beau à voir. Je n'avais pas imaginé qu'ils étaient à ce point-là difformes. Difformes et attardés. Surtout cette fille-là, Donna. Elle a 45 ans et elle en paraît 10. C'est étonnant, non? Leur don de prémonition absorbe tout le reste. Mais qu'est-ce que ça peut? Du moment que nous obtenons leur prophétie, ils nous transmettent ce que nous avons besoin de savoir. Eux n'y comprennent rien, mais nous, si. Ils doivent voir très loin dans l'avenir? Non. Leur spectre est assez limité, vous savez. Une, deux semaines, maximum. Et une grande partie des données qu'ils nous fournissent ne nous est d'ailleurs d'aucune utilité, sans aucun rapport avec nos recherches. Nous les communiquons aux organismes intéressés qui, à leur tour, nous en renvoient d'autres. Chaque département de premier plan possède sa propre réserve de précieux singes. Des singes? Ah oui, je comprends. Les trois singes. Celui qui ne voit pas, celui qui n'entend pas, celui qui ne parle pas. Non, c'est très bien trouvé. C'est surtout très approprié. La plupart des cartes et des noms ne prédisent que des délits mineurs, des vols, des fraudes fiscales, des agressions, des chantages. Comme vous savez certainement, pré-crime a réduit la criminalité de 99,8%. Le meurtre ou la trahison sont devenus très rares, puisque le coupable sait que nous allons l'enfermer en camp de détention une semaine avant qu'il puisse commettre son crime. Et à quand remonte le dernier assassinat? 5 ans. Et qu'est-ce qui l'a rendu possible? Le criminel, tout simplement, nous a échappé. C'est idiot, nous avions son nom et même tous les détails du crime, y compris l'identité de la victime. Après tout, nous ne pouvons pas tous les attraper. Un seul meurtre en 5 ans, il y a de quoi être fier. C'est un score impressionnant. Mais j'en suis fier.
Quand j'ai mis au point le principe de base, il y a de ça 30 ans, à l'époque où certains n'y voyaient que leur profit personnel, en se concentrant exclusivement sur le marché boursier, eh bien moi, j'ai entrevu tout l'intérêt légal de la chose, son immense valeur sociale. C'est une lourde responsabilité. En effet. Si nous laissons un criminel s'échapper, comme il y a 5 ans, nous avons la perte d'une vie humaine sur la conscience. Nous sommes seuls responsables. Une erreur, une seule erreur de notre part. Et quelqu'un meurt. C'est un service public. All citizens are warned not to shelter or in any fashion aid or assist this dangerous marginal individual. The extraordinary circumstance of an escaped criminal at liberty and in a position to commit an act of violence is unique in modern times. All citizens are hereby notified that legal statutes still in force implicate any